tout le monde! Donc aujourd'hui je filme mes achetés oubliés du mois de juillet. Donc excusez-moi si j'ai vraiment chaud là, mais j'ai vraiment chaud, ok? Fait que c'est pour ça que mon visage brille. Donc je vais vous mentionner tout de suite mes achetés oubliés du mois passé. Donc si vous êtes nouveau avec ces vidéos là, à chaque mois je choisis des produits que j'ai oubliés, que j'ai achetés en fait. Parce que j'ai quand même une grosse collection de maquillage et ça me permet de redécouvrir des produits qu'en fin de compte, soit je vais décider, ah ben peut-être ça valait pas la peine de l'acheter, ou sinon je redécouvre des favoris vraiment là. Donc je vais commencer par mentionner comment ça s'est passé avec les produits du mois de juin. Donc le premier que je veux juste vous mentionner, c'est parce que je le trouve plus. Parce que je l'ai transporté dans comme toutes mes sacoches, c'était le lip gloss de MAC dans la teinte Easy Longer. Donc c'était comme un corail avec des petits brillants. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'est pour ça que je l'ai transporté dans comme mes sacoches, mais je change tout le temps de sacoche, fait que je sais plus elle est où. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le gloss. Pour ce mois-ci, j'avais pris différents produits, dont la palette boîtier de 12 fards gras de Makeup Forever. Et j'avais dit que je l'utiliserais en contour, que c'était comme ça que j'allais l'utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait. Je mélangeais en fond le brun et le blanc ici, c'est pour ça qu'il y a du brun dans le blanc. Puis ça me faisait un contour en crème, parce que j'ai toujours voulu essayer du contour en crème, mais je l'avais jamais fait. Donc avec ça, j'ai pu le faire. Par exemple, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que, supposons quand j'étais en vacances, ben je suis encore en vacances là, mais quand j'étais au camping, comme non, là, c'est vraiment pas pratique. Puis les jours de travail non plus parce que c'est plus long, mais les jours comme que je filmais, ben j'aimais bien l'utiliser. C'est le fun, puis c'est différent de faire un contour en crème, mais c'est vraiment pas quelque chose de... comme pratique pour tous les jours, là. C'est vraiment quelque chose quand t'as le temps de te maquiller. J'avais mis aussi le Paint Pot Chill on Ice de MAC qui était comme un beige avec des brillants dorés. Je l'ai pas spécialement aimé là, je pourrais m'en passer de ce produit dans ma collection. T'sais, oui, il donne des brillants dorés, mais comme il y a des Paint Pot que je préfère à celui-ci. J'avais mis deux blushs, donc j'avais mis le MAC Fresh Honey qui est un beau orangé. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, parfait pour l'été. Et celle-là, c'est un minéral. Et le prochain aussi, c'était Ring of Saturn. Saturne. Donc, c'est celui-là ici. Il fait pas du tout le même effet. Il est plus corail, celui-là. Mais je l'ai beaucoup aimé aussi. J'avais mentionné le Mineralize Skin Finish dans la teinte Perfect Topping. Donc, je vais vous montrer. Il est vraiment beau. Pour vrai, oui, je l'ai aimé. Mais, comme vous le savez, depuis le mois d'avril, je mets tout le temps mes illuminateurs de Becca. C'est lui que j'ai aussi aujourd'hui. Comme ça, ben là, je brille... même mon front là, mais fait que je peux comme pas me passer de ceux de Becca, donc c'est tout le temps eux que je remets, mais oui, ils étaient beaux. J'avais aussi décidé d'inclure maintenant des thés dans mes achetés oubliés parce que j'ai vraiment beaucoup de thé du David City. J'avais mis le thé mangue démente qui est un thé blanc, puis juste pour vous dire, genre il me reste, tu sais, ça arrête là dans le fond là. Il m'en reste vraiment, vraiment pas beaucoup. Je l'aime bien. Il goûte bon. Je l'ai fait en pichet, donc j'en ai passé beaucoup là-dedans. Mais là, il m'en reste comme... il m'en reste pas assez pour faire un pichet, je crois. Attends, je vais regarder. Ah, il m'en peut-être assez pour faire un pichet. Là. Moi, je l'ai aimé, mais c'est pas mon thé à la mangue préféré. C'est Rouge Tango, mon préféré, qui est une édition limitée. Alors, je rachèterai plus celle-là, mais il était bon. J'avais aussi pris Gelato à la lime, qui est un thé vert. Il goûtait vraiment bon. Je me suis pas faite de pichet avec lui, là. Je me suis fait des thés comme tout seul. Même Anthony l'a aimé, puis il est difficile. Puis, ouais, il goûte vraiment la lime. Il me reste comme... t'sais, il m'en reste pas beaucoup. Je vais le laisser sortir pour les finir les deux. Je pense que je vais me faire un pichet tantôt peut-être avec, comme ça je vais pouvoir le finir de cette façon-là. Mais oui, lui, ça sera un thé que je rachèterais, mais seulement pour un thé froid, parce qu'en thé chaud, j'avais pas trippé. Donc un thé que je boirais juste l'été. Si on passe aux produits que je vais mettre pour le mois, je vais tout de suite vous mentionner le thé. Et c'est un thé, je pense, que j'avais acheté l'an passé, donc je l'avais acheté même en 100 grammes. Donc c'est Copacabana. Je sais pas si c'est régulier ou pas régulier, là, mais voilà. Je pense qu'il est régulier, je suis pas sûre. Puis, c'est une infusion de fruits, donc une tisane. Puis, celui-là, ça dit que ce mélange de banane, noix de coco, de cacao, d'amande, de pomme et de morceaux de fraise vous en mettra plein la vue. Donc, je me suis dit que ça serait un bon choix pour passer en thé froid. Je vais vous montrer. Il y a vraiment des gros morceaux. Il sent super bon.
Je vais essayer de le passer en thé froid, mais Anthony aime pas tant la noix de coco, donc je sais pas si ça goûte beaucoup la noix de coco. J'ai bien hâte de voir, mais je l'ai totalement oublié celui-là. Maintenant, je vais vous parler des produits, notamment maquillage. J'ai pris un bronzer parce que là, ça fait 2 mois que j'utilise ma palette d'Anastasia, la Contour Kit. Fait que faut que j'essaye autre chose, là. Justement, elle, j'ai redécouvert dans mes achetés oubliés. Donc, c'est un bronzer de MAC. C'était dans une édition limitée, celui-là. Je pense que c'est la collection Surf Baby. Puis, c'est la teinte Solaire Riche. Donc, c'est une poudre bronzante. Puis, elle a des tons un peu rouges à l'intérieur, donc je pense que de l'essayer ces temps-ci, ça va être bien parce que là je suis plus bronzée, donc je vais essayer de la passer parce que je ne l'ai pas utilisée, ça fait vraiment vraiment longtemps. J'ai mis 2 blushs, j'ai mis un aussi de la même collection de MAC et c'est la teinte My Paradise, puis ça dit que c'est une cheek powder, donc en fait c'est doré et corail, puis je me suis dit qu'il faut vraiment que je la mette ce mois-ci dans mes achetés oubliés parce que je l'ai pas comme probablement depuis l'an passé je l'ai pas utilisé, puis c'est pas un produit que je vais utiliser l'automne ni l'hiver à cause que c'est corail, puis je porte ça plus l'été, donc ouais, puis en plus il y a des reflets dorés, donc je pense que ça va être beau pour ce mois-ci là, comme je suis un petit peu plus bronzée. J'ai mis ce produit, puis sérieusement là, je sais, comme je dois l'avoir mis 1 ou 2 fois là, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle même plus ce que ça donne là. C'était la collection de Rihanna, c'est le blush Bad Girl Gone Good, qui est un satin. Puis c'est juste une couleur comme vraiment bronzée. Là. Puis je pense que je l'ai mis puis que je l'aimais, mais je me rappelle vraiment plus là. Mais vraiment plus, puis je me dis, c'est bronzé, ça va être plus beau là, donc ouais, je me rappelle juste pas là. Je regardais mon tiroir à blush, j'étais comme, oh mon dieu, je me rappelais même pas que j'avais ça. J'ai mis un gloss, dans le fond j'ai mis un gloss de MAC, c'est un Dazzle Glass, c'est la couleur Eurobeat, c'est un petit format et c'est un corail avec des brillants dorés. Donc ce mois-ci je vais essayer de transporter lui dans ma sacoche et de plus l'utiliser. J'ai mis aussi, là vous allez dire deux, je vais vous expliquer pourquoi, j'ai mis 2 concealers. Donc en fait j'ai mis lui que j'utilise depuis 2 jours parce que je l'ai... Pas que je l'ai, mais oui, je l'ai oublié. Là, en fait, je l'avais eu quand je travaillais au Sephora, mais il était comme trop foncé pour utiliser en dessous de mes yeux. Puis là, je l'ai ressorti l'autre jour parce que mes autres étaient trop pâles. Puis, j'avais vraiment beaucoup, je pense. Mais là, ça fait juste 2 jours que je l'essaye. Fait que je veux essayer de l'essayer plus ce mois-ci. Donc, c'est le Creamy Concealer de NARS. Puis, je me rappelais qu'il était super. C'est juste comme j'ai pas eu la chance de l'essayer parce que c'était trop foncé. Donc c'est la couleur Custard qui est le médium 1, donc c'est ce que j'ai mis en dessous de mes yeux aujourd'hui, mais comme je vais le tester plus ce mois-ci pour voir comment je l'aime. Puis il est vraiment populaire ça chez sur YouTube. Puis là l'autre chose, là vous allez voir il est vraiment plus clair là, énormément plus clair là, c'est le NYX. Puis ça je l'avais acheté au iMatt à New York. Parce que Ciao Bella sur YouTube, elle parlait tout le temps de ce cache-cerne là, donc c'est le HD Photogenic Concealer. Puis je l'ai pas utilisé, genre du tout là, depuis que je l'ai acheté. Puis là je m'en vais à Atlantic City la semaine prochaine, puis je me dis que si je l'aime vraiment beaucoup, peut-être j'aimerais l'acheter comme dans une autre couleur, peut-être plus foncée. Fait que je vais essayer de l'utiliser en dessous de mes yeux, puis peut-être le mixer avec l'autre, juste voir qu'est-ce que j'en pense. Parce que si je l'aime beaucoup, ben je vais peut-être l'acheter dans une autre couleur. Je l'ai pas vu encore au Target qui vend NYX, là. Je l'ai pas vu encore, là. Mais ça se commande sur des sites sinon. Mais c'est la teinte 02 Fair Clair. Donc je vais essayer de le tester puis de le mixer avec l'autre, voir ce que j'en pense. Donc c'était tout pour mes achetés oubliés du mois de juillet. Donc j'espère que ça vous a... Wow! Depuis le début, je dis du mois de juillet. Mais c'est du mois d'août. Wow! Acheter oublié du mois d'août, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.